Wesh les potes, c'est Washo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est une vidéo qui concerne les postes. Donc sur Snap, vous me demandiez souvent, ouais, est-ce que tu peux faire des vidéos sur le poste d'attaquant, le poste de milieu, le poste de défenseur, etc. Et donc aujourd'hui, ben, j'ai fait un petit sondage et ce que vous vouliez le plus, c'était le poste de milieu. Donc il y a plusieurs postes au milieu, mais aujourd'hui, je vais plutôt m'attacher au poste de milieu central en fait. Donc il y aura pas vraiment de milieu gauche ou milieu droit. En gros, c'est milieu, c'est tout simplement. Donc très important, si cette vidéo vous plaît, enfin quand vous la regarderez, bien sûr, dites-moi en commentaire le prochain poste que vous voulez que je fasse, si vous voulez que je fasse attaquant ou que vous voulez que je fasse défenseur. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Snap ici et sur mon Insta ici. Je réponds à tout le monde et j'accepte tout le monde. Donc c'est parti. Concernant la partie offensive, pour les milieux, il faut vraiment être un bon passeur et surtout un passeur décisif. Donc c'est un passeur qui va permettre à votre équipe de marquer un but. Voilà, donc en gros, il faut que vous sachiez où sont vos attaquants pour que vous puissiez leur faire des bonnes passes. Un milieu doit avoir une bonne vision du jeu. C'est pour cela que souvent, c'est lui qui fera la passe décisive, la dernière passe avant le but. Pour cela, il faut vraiment apprendre à analyser les déplacements de vos coéquipiers. Deuxièmement, un bon milieu doit aussi savoir participer au jeu offensif de son équipe, c'est-à-dire que vous devez tout simplement savoir marquer. Et pour cela, ben, il n'y a pas de choix que d'aller vers l'avant. Et oui, c'est pas votre rôle principal, mais vous serez parfois confronté au but. Donc travaillez votre finition également, car vous en aurez besoin. Être un bon milieu et bien savoir ressortir la balle, bah ça passe aussi parfois par des petits gestes techniques. C'est pour ça qu'il faut vraiment gérer ce côté là. On passe ensuite à la technique car c'est un autre élément très important. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des roulettes toutes les 5 minutes, mais vous devez réussir à éliminer des adversaires. Bon bah écoutez, pour le mot mystère, vous allez mettre encore hashtag hélicoptère numéro 2, tout simplement. Comme ici, je l'avais déjà mis pour ceux qui le savent et qui ont déjà regardé mes vidéos. Et là, on se retrouve avec l'épisode des voilà. Donc en commentaire, hashtag hélicoptère 2, tout simplement, pour savoir si vous êtes resté jusque là. Je compte sur vous. On finit donc avec cette dernière partie pour être un bon milieu offensif. Et cette partie, les potes, c'est tout simplement les transversales. Ça va être vraiment important pour un milieu parce que ça va permettre de faire ressortir le jeu, de changer de côté. Et vous pouvez vraiment donner de très bonnes actions avec ça. Les transversales, c'est très utile en match. Souvent, quand on est jeune, on le fait pas trop, alors que ça donne de nouvelles solutions, ça crée des espaces. Donc n'hésitez pas parfois à le faire. Et voilà les potes, on a fini avec cette partie offensive. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Merci à tous ceux qui le feront, c'est très important. Mettez-le si vous aimez la vidéo. On va passer à présent à la partie défensive. Donc là par contre, je m'y connais pas trop. Je vais essayer de vous montrer quelques petits trucs, mais ça va être un peu plus court que la partie offensive. Par contre, si ça vous intéresse pas trop la partie défensive, restez quand même, parce qu'à la fin, il y aura une genre de mini interview où Yanis va me poser des questions et je vais vous expliquer quelques trucs par rapport à ce poste de milieu. Je compte sur vous, restez hein. S'il vous plaît quoi. S'il vous plaît. Pour cette partie défensive des potes, je m'y connais pas trop, mais il y a un truc que je sais, c'est qu'il faut jamais se lancer quand un adversaire vient vers vous. Il faut vraiment attendre le bon moment pour mettre votre pied. Ouais, bien agressif comme ça. Je sais pas trop le faire ça, mais en gros vous avez vu deuxième partie. Donc comme vous devez le savoir, le poste de milieu, c'est un poste vraiment très physique. C'est pour ça que même si un adversaire a de l'avance sur vous, il faut vraiment tout donner pour le rattraper. Là j'étais content parce qu'en fait j'ai pas du tout taclé. Du coup on a recommencé plusieurs fois et j'avais enfin réussi. Oh c'est bon, arrêtez, je vais rougir. Juste pour vous dire, en temps normal les tacles comme ça je sais pas les faire hein. Voilà, on a fait ça juste pour la démonstration. Mais si vous savez pas faire les tacles comme ça, c'est pas très très grave si vous êtes milieu. Et oui, le poste de milieu c'est un poste très physique. Vous allez beaucoup devoir courir, donc ne lâchez rien. Donc on va commencer l'interview alors
Ouais, chaud, quel est ton poste? Ben justement, en fait, je suis milieu, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo en premier. Aussi parce que vous me l'avez demandé. Voilà, vous avez été nombreux à me demander ce poste de milieu. Et vu que c'est celui que je connais le plus, ben j'ai décidé de faire celui-là en premier, tout simplement. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères dans le poste de milieu? Ben plein de trucs, mais franchement, ce que je préfère, c'est qu'on touche le plus de ballons. En fait, vu qu'on est au milieu, ben on est l'intermédiaire en fait entre les défenseurs et l'attaquant. Du coup, ben c'est à chaque fois nous qui devons toucher la balle. On ressort la balle et après on la donne aux attaquants, etc. Et un deuxième truc que j'aime beaucoup, c'est que souvent c'est au milieu qu'on utilise le plus sa technique. On attaque aussi, mais au milieu, ben c'est vraiment important aussi. Et vu que je suis un joueur qui aime bien la technique, ben j'aime bien. Et c'est pas fatigant de défendre et d'attaquer en même temps? En fait, ce poste est vraiment pour les gens qui aiment beaucoup toucher la balle. Mais justement, si vous voulez toucher la balle, ben va falloir revenir en défense pour la ressortir, aller en attaque pour créer des occasions. Et c'est vraiment très fatigant, mais c'est ce qu'il faut faire si vous voulez toucher la balle. Voilà, je le redis encore une fois, tout simplement. Exactement. Et voilà, on finit avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, j'espère que ce petit format vous aura plu. Voilà, comme vous l'avez vu, je l'appelle la philosophoot. Donc c'est des petits formats en fait qui vont être un petit peu plus longs que d'habitude. Et je vais mettre parfois des petites interviews, des petits trucs comme ça. Ça va être des vidéos un peu plus travaillées. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à activer la cloche. Et sur ce, ben, à la fois pro, c'était Washo. Everybody knows me, yeah. I can even go to sleep, why?